Son métier, c'est plongeuse. Voici donc Fabienne. Nous sommes dans un restaurant self-service. Le coup de feu en salle est passé. Fabienne et ses collègues entrent en action. Opération numéro 1, trier la vaisselle. Verres, tasses, couverts et plateaux sont inspectés à la loupe. Mine de rien, un travail physique effectué sur un rythme plutôt soutenu. En fait, c'est un métier où on bouge tout le temps, c'est un métier avec des tâches répétitives, ça a ce côté un peu pour physique, mais étant donné que je suis quelqu'un de très dynamique, c'est quelque chose qui me convient entièrement. Dans les métiers de la restauration, on accumule les déchets, en amont avec les épluchures et surtout en aval avec les restes. Tout doit être trié méthodiquement, c'est essentiel pour l'hygiène, pas seulement pour le restaurant, mais il s'agit aussi de se protéger. Oui, oui, tout à fait, c'est élémentaire. Bon, c'est certain que dans une cuisine, il faut toujours avoir de l'ordre. Et malgré la rapidité des tâches, il faut absolument être exigeant sur l'hygiène. C'est indéniable. Une grande partie du travail est fait par des machines qu'il faut surveiller. Mais le plongeur plonge et plonge encore. Les frigos, les équipements de cuisine, ça ne rentre pas dans une machine. Il faut y aller à la main et avec un planning précis, car dans quelques heures, la cuisine se remet en route. Il faut vraiment respecter les horaires, respecter la chronologie des opérations et surtout pouvoir soutenir la cadence d'un travail de cuisine. Alors c'est vrai qu'au départ, il faut pas vraiment une qualification, mais il y a un volontariat, il y a un dynamisme très important parce qu'il faut s'adapter à une équipe de cuisine. Et j'ai envie de dire vraiment que simplement un plongeur, c'est quelqu'un qui doit répondre au coup de feu, être agréable avec tout le monde. Et finalement, la belle conclusion, c'est de dire que moi, je connais des plongeurs qui sont devenus des cuisiniers. Donc c'est important de dire que c'est un métier qui amène à tout. En fait, j'ai fait diverses activités, notamment hôtesse sur des foires commerciales, vendeuse. Et puis bon, je suis arrivée ici par agence d'intérim et puis j'y suis restée, ça m'a plu. Voilà, la vaisselle et les outils sont étincelants. Fabienne va pouvoir prendre l'air avec ses collègues, discuter un peu en attendant le prochain coup de feu. C'est super important, on a vraiment besoin de communiquer au sujet des tâches. C'est vraiment un travail d'équipe. Je dirais que mon métier, c'est...